Yo tout le monde, c'est Coca X Ghost et aujourd'hui on se retrouve en compagnie de Gauthier. Salut tout le monde. Et donc on est là pour l'épisode 8 du Let's Play sur Diablo 3. Donc on est dans la salle de l'agonie niveau 3 et on va finir l'acte 1 aujourd'hui. Ah, let's go. En plus pour une fois j'ai pas oublié de mettre le chronomètre. Ce qui est rare. En fait je crois que c'est la première fois que je le mets. Une fois je l'avais mis mais j'avais pas pensé à le regarder. C'est tellement plus pratique, pas besoin de faire trop d'ellipses, donc moins de trucs à pas moins de parties pour la vidéo, donc c'est plus facile pour le montage, c'est un peu moins chiant. Attends, je vais juste là. Hop, ils sont tous morts. Un villageois, il est mort, il est mûr. Oh dommage, ça j'aurais bien voulu leur montrer. Tant pis. De quoi? Bah tu sais le truc là, j'ai tiré dessus pour que ça tombe là et que ça coupe la tête. L'abattoir. Ça aurait été assez drôle comme ça en vidéo. Bon, de toute façon j'aurais encore l'occasion de le faire. Oui. Logiquement. Ouais. Alors l'occasion de leur montrer les trucs. Ça comme fait ça. Ces explosions quand je tire. Ouh. Oh non. Oh bon, ils sont pas trop forts. En fait ils sont même plutôt nuls. Je comprends pas, on est hyper fort. Ouais. Pourtant t'as pas mis difficulté 10? Non, faut mieux pas. Non, mais on pourrait augmenter la difficulté par contre. Non, on laisse la difficulté comme elle est. On joue en normal. Ouh, coffre resplendissant. Oui. Oui. Tu vois là, genre si on serait sur Minecraft, on serait en train de sauter comme un gros trisomique. Ouais, là on peut pas. On peut que faire des bruits trisomiques. Alors on peut faire. Non, on peut tourner. Oh, le mec, le... Oh, y a un boss. C'est un boss spécial ça. Ouais. Livre de sorts aventureux. Qu'est-ce que c'est que ça? Source magique pour les sorciers. Sorciers. En effet, c'est pour les sorciers, donc c'est pas pour moi. Je crois même après le let's play, une fois qu'on aura fini la difficulté normale, moi je le foutrais niveau 60 ce boss, enfin ce perso. Parce que je pense pas qu'on va faire encore le let's play après en autre difficulté, je pense après ça risque d'être répétitif, ça risque d'être inutile. Ouais. Et je trouve que c'est déjà pas mal de faire un let's play en entier sur Diablo 3 en normal, et en plus on est des Français. Même si on n'est pas forcément âgé, on est Français. Oui, parce que je connais peu de youtubeurs comme dit français. J'avais déjà dit Diablo Scotter, je me suis rappelé il y avait Sigil Gaming. Allez voir cette vidéo, c'est vraiment pas mal. À qui? Il explique bien, en fait, il fait pas vraiment un let's play, mais il explique comment il joue à Diablo. Ah ouais. Comme un peu, avec un barbare. Comme un peu les premiers épisodes qu'on a fait là, un peu let's play genre. Enfin, un peu tuto. Oui, c'est ça. Parce que lui, c'est vraiment ça quoi, il t'explique comment faire sur l'âge, comment faire sur l'hôtel des ventes et tout ça. Ah, okay. C'est bien ça, ça permet de pour vraiment un débutant de pouvoir comprendre le jeu. Il y a un truc là-dedans, non? On verra. Bon, tant pis. Je pensais qu'il y avait quelque chose de spécial dans la pièce, mais il n'y avait rien. Bon, bah, on va continuer. Donc à cet épisode-là, c'est promis, on va se battre contre le boucher. Voilà. Contre le boucher. Comme ça, on sera à l'acte 2. Ce qui est pratique, c'est que vu qu'on est de loin, bah, on peut vite le défoncer. Oui, il peut passer. Oh, en plus j'ai eu un bon casque. Ah oui? Il m'a tout augmenté, quoi. C'est ça qui est bien. Enfin, moi, quand je dis bon, c'est que ça augmente tout. Quand je dis excellent, c'est que ça m'augmente tout de beaucoup. Ah, voilà, on y est. Chambre de la souffle. Ah bah là, ouais. Bah là, c'est déjà le boucher, non? Attends, viens, on va... Ah il est bouché. Ouais, c'est direct le boucher. Bon, là, let's go. Alors, viens, on va vendre d'abord. Non, attends. Bah, ok, on y va pas. Tu sais quoi? Viens, on vend. On fait durer le suspense. Ouais, d'abord, on vend tout. Ouais. Vu qu'ils connaissent pas le boucher encore. C'est un boss, moi, je trouve, ils l'ont bien fait. Il fait vraiment peur.
Enfin, il fait pas peur, mais genre, il a vraiment un aspect monstre. Il est bien, c'est sûr. De toute façon, tous les boss sont bien. Ouais, tous les boss sont, c'est clair. À part, moi, j'ai été un peu déçu par Diablo, hein, parce qu'il a un peu des seins et tout, Ouais. avec ses seins là. Le vrai boss du jeu, il est mal fait. Donc ça fait un peu voilà. Putain, j'ai quand même 70 000 là. Écoute, j'ai réparé tous mes objets. Hop. Je mets les meilleures potions. Bah, moi, je suis prêt, hein. Deux secondes, Bah, ouais. tu me dis quand c'est bon. Donc là, je vais juste regarder la carte un peu. Bon, c'était plutôt logique. Donc, vous voyez, en fait, on peut vraiment se perdre. On peut aller vers là et tout ça. J'espère qu'on voit ma souris. Donc, bah, on peut y aller, hein. Let's go. Accepted. Donc, le premier gros boss du let's play, hein. Donc, c'est le boucher. Voilà, on le voit là. Comme un gros trisomique en train de faire on sait pas quoi. Il veut casser la porte. Bah écoute, on s'en fout de l'événement. Let's go! On se bat contre le boucher! Premier boss d'acte. Donc après, on sera à l'acte 2. Alors Ya. attends. Yeah. Hop. Donc. Moi, ce que j'aime pas, c'est qu'il fait cramer le sol et genre si on est. Ou par contre, ça vaut mieux pas se le manger, sinon on est vite mort. Hein. Oui, il est. C'est pas le plus fort, mais il y aura certains boss, on aura mais plus que du mal. Ouais, Oh! moi je pense à Asmodan, qui est quand même assez costaud. Ah, Bélial principalement. Asmodan, on peut courir, mais Bélial, non. ouais, Fais surtout gaffe. que Belial quand il sort, quand il commence à nous faire des trous noirs là. Bon, en fait, je trouve qu'on est plutôt fort, hein, Ah, on est fort pour pour ce level. Bah, c'est peut-être dû à notre habitude de jouer à Diablo. Ah, pense. j'ai pas eu de bail. Même moi je me suis payé des objets. C'est quand même cher hein, pour des objets aussi peu forts. Ouais, bah bon. Quand tu vois qu'il y a des objets de niveau 63 qu'ils ont le même prix. Yeah! Donc voilà, on a battu le premier boss. Donc, oh putain! Oh! Wow! Deux objets jaunes, trois ou quatre objets bleus. C'est franchement bien. Ah il est lui tué, c'est Donc, bien. bah voilà, en fait, je pensais que ça allait être un peu plus dur que ça, mais en fait, pas tellement. Hein, tiens, j'ai quelque chose pour toi là. Putain, moi je suis en train de regarder, j'ai des brassards, des nouveaux. Toi, t'es un moine? Oui, enfin un gros moine donc. Ah oui, ouais. C'est vrai, c'est vrai. Mais c'est ça pour toi. Aventurier sans Avant de rang. perdre ta race. Ouais, c'est plutôt pas mal. Avec un carquois. Ouais, je la prends, je la. Et Je j'ai l'ai un pris, je l'ai carquois. pris. J'ai un carquois, je vais te le chercher. Ah oui, on peut pas faire en. Tu peux continuer à Ouais, avancer, je vas-y. continue d'avancer. Et maintenant, faut que je trouve Après, tu l'étranger. pourras mettre le carquois, ça va être que je t'ai passé l'autre. Ouais. Hop. Cellule Alors, viens, stop. condamnée. Bastien! Carquois reptilien. En plus, ah ouais. Carquois magique. Donc voilà, donc c'est la première fois que je prends un arc. Hein. Je suis assez content. Wouh! Tu devrais faire pas mal de dégâts quand même. Bah là je fais 45 dégâts. Mais je Ouais, ça va. pense je vais pas le faire en vidéo mais dans. Je vais comment dirais-je? Farmer. Non, je vais aller dans l'hôtel des ventes. Et m'acheter Oui. de vrais gros bons objets. Ah, qu'est-ce que j'aime l'arc, il est tellement bien. Alors écoutez, Et voilà. Ça c'est quoi Tyrael hein? Ouais. ouais. Donc c'est un ange des cieux. Bon. Voilà. XP reçu. Waouh. C'est un beau cadeau. Bon ben let's go to la nouvelle Tristram. Et on va pouvoir aller à l'acte 2. Attends, je vais juste vendre toute la connerie que j'ai sur moi. Bah, je pense qu'on va pouvoir peut-être se laisser là pour y faire la surprise de Mais non, l'acte attends, 2. ça fait même pas 10 minutes. Même pas? Attends, je te dis exactement. Ouais. Ça fait 9 minutes 45.
Ah oui, Alors, non. Bah alors, on va on continuer. continue, on va déjà aller vers l'acte 2. Hop là, let's go. Mais j'ai pas envie d'attendre 25 secondes. Ah voilà. Il faut que tout Mais soit honnête. putain, Vas-y, parlez aux ça me fait marchands. du 150 FPS. Ah bah attends, viens, on peut leur laisser la vidéo, non? Ouais. Donc là, en fait, c'est des images ré... Enfin, moi, je peux la... C'est des images réelles, non? Enfin, c'est 6. Enfin, réel, c'est... Oui, c'est le jeu, Ouais, mais quoi. je veux dire, la qualité, là, elle est... Ah non, ça se voit que c'est un jeu. Vraiment magnifique. Oui, ça se voit, Vraiment ça. magnifique. Franchement, ouais. Bon, moi, j'ai arrêté parce que je la connais par cœur et Ouais, je veux moi faire aussi, je quelques petits l'enlève. réglages. Donc voilà, on va se retrouver sur l'acte 2, tout de suite. Acte 2. Voilà. Donc, Désolé. pour ceux qui veulent savoir, on est à Caldeum, un truc dans le genre, hein, c'est bien ça. Donc là, les Oui. graphismes, ils vont être vraiment beaux. Attendez, attendez, attendez. Les graphismes sont vraiment très beaux. Nya, regardez-moi ça. On voit toute une cité, tout ça, c'est... Oh, moi, je trouve ça super beau. Hein. Nous y sommes. Ouais. Hop. Plus c'est beaucoup plus clair et éclairé que l'acteur. Ouais, ça, c'est clair. Beaucoup plus. C'est beaucoup plus On va dans le agréable. souk de Kaldom. Kaldom. Caldehum. Allez, je passe pas. Je passe, je passe pas. Je passe, je passe pas. Ah, c'est bon. Donc là, Ashara. Elle est sexy, dis donc, avec son décolleté. Attends, je fais un zoom. Non, je la vois pas. Tu mets les petites filles se précipitent pour jouer avec mes chiens. Oh, ouais, en effet. C'est le gros pervers. Bon, bah, moi, je trouve que cet endroit, je le trouve assez joli, moi. C'est Ouais. sympa. Ouais, c'est sûr. Nanana, voilà. Moi, je vais... Je commence... Ah, ouais. On peut déjà acheter des nouveaux trucs un peu meilleurs. Eh, hey, que des trucs pourris. Mais il est où mon troisième chien? J'en ai plus qu'un. Ah non, c'est bon. Des chiens. Mes chiens Ah oui. zombies. Attends, je répare mes objets pour 12 crédits. Je peux me faire un petit extra, quoi. 12 crédits. Canyon, déchiqueté, bah viens, on va avancer. Donc là, à partir de l'acte 2, ça va commencer à devenir quand même un peu plus dur, je trouve. Ouais. Enfin, pas pour nous, je pense, mais pour les contacts, c'est beaucoup Voilà. plus dur. Pour les secondes, Et ça là maintenant, devrait quand il y aller aura des normalement. champions et tout, on fera déjà moins les marioles. Je Oh oui, c'est pense. vrai. Bon, Il on va va commencer construire. à y Hein. avoir les guêpes des sables. Oh, super. Ah, je suis niveau... Celle-là, elle Je prend suis niveau énormément de dégâts. 15, je vais pouvoir mettre... Ah bah non, j'ai l'arc. Genre, une amulette jaune sur un petit gars Oh, la paumé. chance. J'avoue. Oh putain, je failli mourir. Bon, bah on va continuer d'avancer. Pourquoi il y a ça là à chaque fois? Ah, une amulette pour Ah, barbare. pratique. Très pratique même. Bon, au moins j'en ai une. Mais tu peux la revendre, hein, ça revend, C'est pas ça se mal. revend. Oh bah tiens, j'en ai une pour toi Ah, je là. vais mourir. Tcha 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 tcha. Je vais mourir. Ça va te faire des dégâts en plus. Ah ouais, ça c'est pas mal. J'en fais 49 des dégâts maintenant. Bah, je vais commencer à investir un peu dans mon bonhomme après, enfin plus tard. Pourquoi c'est... Purée, moi j'ai plus l'argent du Moi j'ai tout 73 000. Ah! là. J'ai Au 19 000. moins pour une fois que je suis riche. Hein? Surtout que moi là je viens de vendre un objet, donc je vais sûrement avoir à peu près 300 000. Ah oui, c'est gentil. C'est pas... Enfin, je pense, ou alors à moins que ce soit un objet tout pourri que j'ai vendu tout pas cher. Ouais, genre des... Genre 50 000 ou... Ah. Non, moi quand je dis pas cher, c'est 6 000. 6 000. C'est normal qu'on peut Non, moi plus pas cher, parler. c'est ça. Ah, voilà. Colasse. Hein, quoi? Ouais, des Je n'ai rien dit. guerriers. Oh putain, ceux-là ils sont chauds par contre, les guerriers. Enfin, pas pour nous. Mais c'est bizarre parce qu'en fait, j'ai l'habitude, tu sais, par exemple, moi, quand...
quand je joue en arma avec mon barbare niveau 60, je galère grave hein, contre ceux-là. Non, mais ça, c'est parce que. Mais là, je sais pas, on est tout fort, je comprends pas. Je crois qu'ils ont encore baissé la difficulté des mobs à la nouvelle mise à jour. Je sais pas, j'ai pas l'impression. Ce qui est bête parce que c'était déjà trop simple. Non, mais sérieusement, ouais, c'était beaucoup pas... trop simple. C'était pas trop simple. Tout le monde s'en plaint, là, que j'ai déjà vu sur les forums, ils sont tous déjà en train de se plaindre que c'est trop facile. On peut augmenter la difficulté maintenant. Ouais, au moins on peut augmenter la difficulté, donc on peut vraiment faire des trucs marrants. Un bon acte 3 Armageddon avec une grosse difficulté, genre les mobs à niveau 4 et plus. Ah, j'ai. Oh, du oh, dur. Le serpent, je vais marcher dessus, attendez. Oh, comme c'est trop lol. Je voulais que tu viennes. Ah bah non, c'est bon, fais tu. Bon, pour l'instant, moi je tue des. J'essaie de trouver le rituel de l'hôtel secret ou je sais pas quoi. Ah, bah je crois que j'ai trouvé. Jeune fille effrayée. Je sens qu'elle va plus être une jeune fille pour longtemps. Moi j'en ai trouvé un de rituel. Ah fiel en frénétique. Ah maman. Oh putain de merde. Moi c'est horrible. Hein. Moi c'est très horrible. J'arrive, j'arrive. Putain. Ah c'est bon. Tu vas voir pourquoi je disais ça, attends. Là, tu verras les beaux petits bonhommes jaunes. Bleus, pardon. Tu vois, en fait, vu qu'ils sont arrivés les trois et que j'étais un peu bloqué dans le coin, genre, ils ont fait leur grosse attaque et il me restait un point de vie là. 3 points de vie. Mais c'était pas un rituel ici, putain. C'est bien dégueu. Non mais j'en ai trouvé un moi. Gros tas de chair sanglante au milieu. Comme c'est délicat. À la fois c'est du diablo. Bah, hein. Même quand on marche sur des serpents qui sont par terre, on les écrase et il y a du sang. Attends, regarde, un crabe. Oh, je l'ai écrasé. Enfin, un scorpion, pardon. Oui. Scorpion, enfin. Ouh, des boss, là. Je m'adapte. Oh, il y a un événement. Ouh, moi j'ai un nouveau carquois pour toi, il va ah, venir. Ah, ils ont vortex, un peu chiant. Hop. Un masque tribal. J'ai quelque chose pour toi là. Conclave caché. Oui, il est bien mieux pour toi. Viens voir. Moi je suis allé dans le truc du conclave caché. Ah, l'attaque. Voilà, tiens. Ouh ouais, il m'augmente. Waouh, les jambières que j'ai trouvées, moi je vais augmenter. Je sais pas si j'ai des trucs pour toi. Je sais pas si c'est pour toi. En fait je sais pas. Vu que c'est pas écrit, c'est un bâton long de concentration. Ça a deux mains. C'est 18,5 par seconde. Dégâts par seconde. Ouais. Moi j'essaye de trouver le rituel secret. Rituel secret, what? Non, il sera pas en haut. Non, il sera vers le bas. Ouais, moi j'ai trouvé une grotte. Bah, attends, on va. Oh putain, toutes les guêpes. Les guerriers Lakuni là. Parce que si après quand on ressort de la grotte, on se fait acharner. On se fait défoncer, ça va pas être cool. Let's go. Grotte du ouais. De Sirocco. Moi, ça, je suis déjà eu de temps plusieurs fois. Moi, jamais, parce que ça m'énerve d'y aller. Enfin, si, j'y suis allé quelques fois, mais très peu. Carrément. Je crois une ou deux fois. D'accord, oui, pourquoi pas. Bon, en général, j'essaye d'avancer vite. Ouais, mais là, vu que c'est un let's play, il faut quand même que les gens ils puissent voir quelques potées. Ah, c'est pas d'oujo. Ah oui. C'est clair que je vous avoue que pendant tout le let's play, je pense pas que je vais faire à chaque fois toutes les grottes et tout. Hein, sinon, ça va m'énerver au bout d'un moment. Enfin, ça va nous énerver. Enfin, parce que moi, je me vois pas faire 50 grottes. Non, bouf. On en fera quelques-unes des marrons ouais, voilà. Que je connais. Mais pas des trucs. Mais. Qui nous emmerdent, quoi. Là on vous en fait parce que voilà ça. Bah là ça me dérange pas encore. C'est, quand même une... C'est clair qu'une fois que je meurs quelques fois et tout ça,
ça sera déjà plus énervant. Parce que dans les prochaines grottes qu'on ira, dans certaines, il y a beaucoup de risques qu'on crève. Et quand je meurs beaucoup de fois de suite, ça m'amuse pas trop. Oui, voilà, des boss. Oui, surprise. Voilà, il y en a un, on sait pas ce qu'il est en train de faire, il est en train de chier, de faire un bon gros caca. Un caca de... Ah. Non, il tape avec chien. Un coffre. Il nous a frappé Médor. Moi je continue d'avancer. J'ai pas envie de dire, mais on les explose. Ils arrachent leur tête. Regarde peut-être le temps. Je mets 20 minutes 38. Bah on peut encore avancer, je pense. Bah, on a qu'à finir la grotte peut-être. Viens, moi j'ai trouvé le niveau 2. Bah viens, maintenant on avance plus et. Et on fait moins de caca. De toute façon, dans les niveaux 2, il y a juste un boss, un coffre resplendissant normalement, et puis. Ou des champions. Peut-être même un boss et des champions, avec un peu de chance. Oh, j'ai frisé. Ah non, c'est bon. Hop. Un coffre resplendissant. Et encore en plus des boss. Nous sommes chanceux. Un Grul l'immortel, d'accord. Pourquoi pas? Après tout, hein. C'est... Coffre resplendissant. Wow. Youpi. Je regarde juste les objets que j'ai eu, voir s'il n'y a rien qui m'augmente. Bah, on a atteint le truc là. Bon ben, bah, on va vous laisser là pour cet épisode. On se revoit dans le prochain épisode. Donc l'épisode 9, c'est le prochain. On espère que cette vidéo vous aura plu. Et moi je vous dis abonnez-vous et likez. Portez-vous bien et à la prochaine. Yep. Salut tout le monde.